Hier, vendredi 21 juin, les Chamois-Niortais se sont retrouvés pour la reprise officielle de l'entraînement au stade René Gaillard et le lancement de cette nouvelle saison 2019-2020 après une batterie de tests médicaux passés la veille. Au programme, réveil musculaire, un peu de jeu avec ballon, avant de conclure par quelques exercices physiques. Le coach Pascal Planck revient sur cette journée et évoque la suite de la préparation. Faut surtout pas oublier qu'on fait un métier de passion, donc le terrain c'est un petit peu notre domaine d'expression, c'est là où on aime se retrouver, et puis en plus ça fait quelques semaines qu'on l'a pas vu, et donc le terrain est bien tondu, il a été bien entretenu, donc c'est toujours agréable de reprendre. Ouais. On n'a jamais la tête totalement libre, hein. Après forcément que les vacances ça fait du bien, comme tout à chacun. Après on revient toujours avec beaucoup de fraîcheur, avec beaucoup d'envie, avec beaucoup d'espoir, comme chaque début de saison. Voilà, donc on voit des joueurs qui sont reposés, qui sont frais, qui ont envie. Et voilà, donc c'est un ensemble de choses qui fait que c'est une période plutôt agréable les premiers jours, mais on va vite être replongé dans le quotidien. Il n'y a pas de problème majeur, encore heureux, parce qu'ils sont censés s'être bien reposés et surtout s'être bien préparés aussi. Pour l'instant, les premiers jours sont surtout consacrés à des tests physiques et médicaux, donc il y a un petit peu de ballon, mais là, les premiers jours, c'est d'abord et avant tout travail sur le physique et sur le médical. Je pense que les préparations de maintenant sont beaucoup moins dures que les préparations des années 70 ou 80. Je pense que la préparation physique a fait d'énormes progrès et beaucoup d'évolutions. Après, c'est vrai que c'est une période où il y a une charge de travail assez conséquente. Donc, il faut être attentif un petit peu à tout, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'entraînement invisible. Le sommeil, l'hydratation, l'alimentation, etc. Et voilà, donc on est attentif à tout ça. Donc, la semaine prochaine, on est encore ici Stade René Gaillard pour continuer à se préparer. La semaine suivante, on est effectivement par une semaine à Ploufragan pour travailler dans un contexte différent et pouvoir se concentrer uniquement sur avoir les joueurs à disposition 24 sur 24 pour pouvoir vraiment bien travailler, prendre le temps de bien discuter avec les joueurs et travailler aussi sur la dynamique de groupe, etc. Le groupe entame donc 5 semaines intensives de préparation, au cours desquelles auront lieu 5 matchs amicaux, pour être prêt le 26 juillet et la reprise du championnat.